Mais Élise, t'es pas coiffée? Mais Laura, ta chemise elle est à l'envers. Oh la vache! Bonjour et bienvenue dans On va pas se planter, l'émission 100% agriculture. Et aujourd'hui, on va parler de rétention d'eau. Ah bah voilà un truc utile. On a une experte diététique aujourd'hui? Non, on va bien parler d'agriculture. Ok. Et de retour sur notre plateau, Harmonie, chargée des projets agriculture au sel. Elle est aujourd'hui accompagnée de la charmante Isabelle. Mais l'experte diététique, c'était une bonne idée, non? Allez, on enchaîne. Alors justement, Harmonie, quand on parle de rétention d'eau en agriculture, ça consiste en quoi? Ça consiste à en trouver des techniques pour favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol. Dire que moi, ça me paraissait évident que la terre absorbe l'eau. Ben non, justement, c'est pas si évident que ça en Afrique subsaharienne. Soit il y a des grandes sécheresses et du coup, il n'y a pas d'eau. Ouais. Soit quand les pluies sont là, il n'y a rien pour les retenir. Il n'y a pas de végétation, pas de barrage. C'est là que ça pose problème. Ben oui, l'eau n'a pas le temps de pénétrer dans le sol. Elle va rester en superficie, ruisseler jusqu'aux rivières et elle n'atteindra jamais les nappes phréatiques. Du coup, le sol n'est pas alimenté. Ah mais c'est ballot. En fait, il y a de l'eau, c'est juste qu'elle reste pas. Du coup, j'imagine qu'il y a des méthodes pour retenir l'eau? Tout à fait. Il y a des techniques comme par exemple des diguettes. Donc on va creuser une tranchée, ramener la terre pour en faire un monticule qui va faire barrage. Il y a d'autres techniques comme la culture en zaï, l'agroforesterie, les cordons pierreux. Et ça, les partenaires du sel le mettent en place. Exactement. Ils apprennent toutes ces techniques aux agriculteurs. Et grâce à leur travail, il y a même des zones désertiques qui reverdissent. Mais c'est trop cool. Merci Harmonie, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Mais bouge pas, parce que c'est l'heure du grain de folie. Et cette fois, tu vas pas y échapper. Au sel, vous êtes dans la même équipe. Du coup, on va voir si vous savez communiquer. On va jouer au dialogue de sourds. Alors en fait, Isabelle, on va te mettre un casque anti-bruit et tu devras découvrir ce qu'Harmonie raconte. Et Harmonie, on va te donner du coup un mot ou une phrase qu'il faudra que t'articules sans bruit. Des questions? Isabelle, on va te mettre le casque. Allez. Et Harmonie, t'as le droit de piocher le premier mot. C'est parti. Barbecue? Non. Non mais un lien, quelque chose qui a un lien avec le sel, je sais pas. Bah barbecue, le subsaharien. Baobab. Baobab. Merci. Oh là là. Forêt. Bravo. Duty free. Dentifrice. Ludivine, je sais pas. Cultivé. Non, t'es pas non. Agroforesterie. La musique est géniale, j'adore. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Continuez à nous suivre pour voir si on va pas se planter.